Alors, les garçons, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des missions et puis sur Fortnite. Voilà. Alors, en fait, je vous explique. Ça fait quelques jours que les garçons jouent à Fortnite. Donc, on n'a encore rien acheté de passe, de combat, de V-Bucks. Enfin, moi, je m'y connais pas vraiment, même pas du tout. Mais les garçons m'ont vite réclamé des V-Bucks. Donc, voilà, là, on est sur la page de boutique de Fortnite. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner ces V-Bucks, les garçons? En fait, il faudra faire une mission sur Fortnite, oui, pour acheter des V-Bucks. On en aura 1000 gagnés quand on aura fait toute la mission. Ouais. Et puis, après, si on fait toutes les missions, ça nous en fera 6000. Oui, et puis il y aura plein de défis très 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 rigolos. Par exemple, on a déjà regardé, il y avait plein de trucs rigolos que je sais pas si plus. Donc en fait, les missions, on va pas les faire sur Fortnite, les missions. Non. C'est pas des missions qu'on va faire sur Fortnite. Non. En fait, on a reçu un jeu de cartes, Sneaky Cards. Et ce jeu, en fait, c'est 54 missions. Il y a 6 couleurs, et parmi ces couleurs, il y a différentes missions. Mais des missions à faire beaucoup avec qui? Des inconnus. Des inconnus, ouais, avec d'autres personnes, avec des inconnus, c'est ça. Avec ces cartes, on réalisera les missions, et chaque mission réalisée vous donnera combien de V-Bucks? 1000. Et vous aurez combien de missions à réaliser chacun? Deux chacun, voilà. Comme il y a 6 couleurs, vous aurez 2 couleurs chacun. Une carte de chaque couleur, comme ça, et on fera toutes les missions. Normalement, un V-Buck. Là, vous avez 0 V-Buck, on peut voir. Hein. Ouais. 0 V-Buck, voilà. Donc, bah, à la fin de cette vidéo, si vous vous débrouillez bien et que vous réalisez tous vos challenges, vous en aurez combien? 6000. 6000, voilà. Et après ces cartes, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les ranger? Non. En fait, le but du jeu... Ouais, le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes et de les repasser, en fait, bah, du coup, pour faire passer un peu le fun, hein, pour faire un petit challenge rigolo à plusieurs, de passer ces cartes à d'autres gens. Donc on peut les passer aux gens avec qui on fait les missions, mais du coup, nous, on s'est dit que ce serait sympa de les envoyer à d'autres youtubeurs. Après, ils les réalisent ou pas, hein, on verra bien, mais on les enverra, voilà, on verra qui veut rigoler un peu avec ces missions. Et puis on verra qui sera peureux ou pas. Ah, tu crois, c'est ça. Donc bah, vous allez tirer vos cartes au sort? Oui, ouais. Alors on va tirer les cartes. Alors je vais sortir tout ça et on tire les cartes. Bon, alors voilà, j'ai étalé les cartes, donc les 6 couleurs. Bah tiens, Lenny, allez, viens choisir 2 couleurs dans lesquelles tu vas tirer une carte. Bleu et orange. Bleu et orange. Ok, alors attends, hop, je te fais déjà choisir la bleue. Alors attention, hop, tu regardes pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Défier un inconnu, bras de fer, à pierre, feuille, ciseaux. Montre. Défier un inconnu. Ah d'accord, donc, ouais d'accord. Défier un inconnu au bras de fer, à pierre, feuille, ciseaux, je te tire. En fait, défier un inconnu sur n'importe quel jeu que tu souhaites. Ok, bon. Donc, bah, tout à l'heure, on va aller à Carrefour Market, un petit supermarché à côté. Donc, il bah, faudra que tu trouves quelqu'un qui accepte de se défier à toi et de passer sur YouTube. D'accord? Alors, maintenant, orange. Hop. Attention, garde bien tes cartes surtout. Hein. Attention. Allez, choisis. Passez cette carte à quelqu'un qui vous fait le sourire. Quelqu'un qui vous fait un sourire. Ok. Passez cette carte à quelqu'un qui vous fait un sourire. D'accord, bon. Espérons que ce soit une fille. Hein. Eh. Si on peut draguer un peu par la même occasion. Bon, ensuite. Et puis, alors. Et puis même s'il a une amoureuse. Tu crois? Bon, alors ensuite, à Cody. Alors, à toi, Cody. Quelle couleur est-ce que tu veux? Violet. Violet, ok. Et rose. Et rose. Alors, attention. Tu vas piocher les cartes. Tadam! Vas-y. Alors bah, à mon avis, il faut que je dois
goûter un aliment. Montre. Alors attention. Goûter un nouveau plat ou aliment. D'accord. Bon, alors quelque chose que tu n'as jamais mangé. Alors on verra ça tout à l'heure au magasin du coup. Alors regarde bien ta carte. Alors maintenant la rose. Hop. Attention. Bah, je sais pas, il faut faire quoi avec un carré blanc. Un carré blanc. Créer un gribouillage collectif. D'accord, donc en fait, tu vas faire un gribouillage dans le carré blanc. Et après, la personne à qui tu enverras cette carte devra refaire un gribouillage. Ainsi de suite. C'est rigolo ça. Ouais, je veux le faire. Ah, tu veux le faire tout de suite? Oui. Bon, bah alors Cody commence sa première mission. Attention. T'es un petit malin toi, tu veux les 1000 V-Bucks tout de suite toi? Ouais. Alors, Cody fait son gribouillage. Alors, je... Ah, il fait sur la carte. Bah oui, c'est sur la carte. Laisse de la place pour les autres. Hein. Voilà, c'est bon, c'est un bon gribouillage. Bon, bah Cody, premier challenge réussi? Ouais. Déjà 1000 V-Bucks de gagné? Super. Bravo Cody. Déjà 1000 V-Bucks. Déjà 1000 V-Bucks avec un gribouillage, ça va. Ouais. Pas trop compliqué. Bon alors Tino. Eh bah Tino, il te reste plus que deux couleurs. Hein. Alors ça c'est ta carte. Alors surtout perdez pas vos cartes les garçons. Mettez-les bien dans vos poches. Parce que si vous les perdez, les V-Bucks ne pourront pas être gagnés. Ah mince, on a fait au feutre et ça s'efface un petit peu. Il faut laisser sécher. D'accord Cody? D'accord. La touche plus. Alors Tino, t'as plus le choix. Il te reste jaune et vert. Ta-da-da! Suspense! Attention! Je vais faire suspense, je sais pas. Elle! Bah, ce que tu veux, Tino! Elle! Bah, vas-y! Tu peux parler un peu plus fort, hein? Cache cette carte à un endroit où elle se trouvera facilement. D'accord? Donc cacher cette carte dans un endroit? Ah d'accord, et quelqu'un devra la trouver. Ok. Bon, alors ok, tiens, première mission. Je sais pas, je peux dire. Et deuxième mission, donc une verte pour finir. Tadam! Elle. Ou elle. Je sais pas. Allez. Tadam, suspense. Tino garde le suspense. Attention. Alors. Rendez un service à quelqu'un, porter une valise lourde ou une poussette dans les escaliers, arroser les plantes pendant les vacances, puis passer 8-7 cartes. D'accord, donc rendre service à quelqu'un. D'accord. Bon. Eh ben, il va vous falloir du monde hein, pour réaliser tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, Léni? Alors, on y va? On va à Carrefour Market? Bah oui. Ouais, c'est juste à côté de chez nous, donc on va pas aller loin. Alors maintenant, il faut espérer que vous trouviez des gens qui acceptent de faire ça avec vous, quoi. Oh oui. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Un sourire. Oh oui. Alors voilà. Là, et puis là, on va y aller pour faire les défis. Défier les gens s'ils veulent bien faire les défis avec nous. Voilà, donc on va voir ça? Oui. Allez, c'est parti. Alors Léni, tu as trouvé quelqu'un? Oui. Alors vas-y, on te regarde. Oui, il n'y a pas de problème. Alors attention, je te tiens tes cartes. Vas-y. C'est ça, il faut cacher tout mon truc aussi. Regarde. Ouais, t'es prêt? Tiens, enfin, ah, il t'a cassé ton ciseau. Merci. Bon, Léni, t'as perdu, mais c'est pas grave, t'as réussi quand même à réaliser ton challenge. Hein. Donc déjà, combien de V-Bucks de gagné là? 1000 V-Bucks de gagné. Waouh, la classe. Allez, on continue. Bon, alors Tino est au rayon fruits et légumes pour cacher sa carte facilement trouvable. Vas-y. Voilà, c'est bon. Allez, on s'écarte et on attend que quelqu'un la trouve. Alors on attend, on s'écarte. Tino, allez, va récupérer ta carte. Merci. Bon, alors un challenge réalisé pour toi aussi.
Ça va, elle était facilement trouvable. Hein. Bon, alors 1000 V-Bucks de gagner. Allez, on continue. Bon, alors là, il faut que je trouve quelqu'un qui me fasse un sourire. Bon, alors quelqu'un qui te fasse un sourire. On cherche quelqu'un qui fait un sourire à Lénie. Bah, regarde autour de toi, Lénie. Hein. La banane, ouais. Ah, il t'a fait un sourire. Merci. Bah, t'as fait un sourire à Lénie, alors tu gagnes une carte. Alors, comment tu t'appelles, toi? Louis. Louis? Bah, c'est super, ça, comme il y a un copain Tinoli qui s'appelle Louis aussi. Bah, merci, Louis, voilà, comme ça, tu as permis à Lénie de remporter son challenge. Merci, Louis, à bientôt. Alors, Cody, toi, tu as un défi de goûter un nouvel aliment, un aliment que tu n'as jamais goûté. Donc là, tu es en rayon poissonnerie, et qu'est-ce que tu as choisi? Du foie de lotte. Du foie de lotte. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais Cody a choisi du foie de lotte. Donc bon, on va le faire cuire, on se retrouve à la maison pour que tu le goûtes. Hein. Oui. Tu crois que tu vas aimer? Oui. C'est un peu particulier, hein. T'as pas choisi le meilleur, là. Bon, bah, à tout à l'heure pour goûter, Cody Chou. Hein. Alors, Tino, pour ta deuxième carte, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aider... Sophie. Sophie à vendre la caisse. À faire la caisse. Voilà, on a trouvé une caissière super gentille, là. On va peut-être pas la vendre, la caisse. Alors, vas-y, Tino. Allez. On va passer. Tu m'as déjà vu faire, alors fais pas le fou. Alors, Tino, il fait la caisse avec Sophie. Merci, Sophie. Hein. Il donne un coup de main pour faire la caisse. Non, c'est donner un coup de main, ça. Hein. C'est juste exceptionnel. Bon, ça, c'est donner un coup de main. Hein. Aider pour la caisse, c'est donner un coup de main. Hein. Allez, hop, c'est Tino qui va nous encaisser. Et toi, tu récupères, toi. 7. Fais-le. 1. Là, 0. Multiplier par. Voilà. Tino, nouvelle hôtesse de caisse, hôte de caisse, pardon. Voilà. Tino fait son coup de main, donne son coup de main. Et du coup, tu réalises ton nouveau challenge. Alors, qu'est-ce que tu remportes? Eh ben, 1000 V-Bucks. 1000 nouveaux V-Bucks. Ouais. Et tu peux dire merci à Sophie. Hein. Merci. 1000. Qu'est-ce que tu vas faire avec après? Je vais acheter des skis. Alors, ça fait 32 euros. Voilà. Bon, bah voilà, Tino, t'as réalisé ton défi. Super. Attends, après, t'as... Alors, monsieur le question, vous doit combien là? 32,05€. Très bien, monsieur. Bon, bah merci Sophie d'avoir joué le jeu. Hein. Allez, maintenant on va pouvoir rentrer. Alors, Cody, nous voici de retour à la maison. Qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Du foie de lotte. Du foie de lotte. Alors, vas-y, je t'en prie, goûte. Attention. Alors, Cody, tu n'as jamais goûté ça? Non. Alors, vas-y, goûte. Trop bon? Oui. T'aimes ça? Oh, c'est particulier, hein. T'aimes bien? Bon, bah, super. Bon, bah, écoute, t'as réalisé ton challenge, hein. Tes 2000 V-Bucks sont gagnés. Ouais. Ouais. Bon, bah, bon appétit, alors. Bon appétit. Allez, vas-y, je te regarde, mange. Trop fort. Bon, alors ceux à qui on enverra les cartes ne sont pas obligés de goûter du foie de lotte, forcément. Hein. Ah, quelque chose que vous n'aurez jamais goûté. On verra après à qui on envoie ces fameuses cartes. Bon appétit, petit chat. Bon appétit. Alors voilà, là on a rentré du magasin. Et puis c'est l'heure de nos V-Bucks. Oui, en effet. Donc vous avez bien réalisé chacun vos missions. Est-ce que ça vous a plu déjà de réaliser ces missions? Oui. Bah oui, moi c'est trop bien quand j'avais fait la caisse. Et puis je vous ai vendu. Et puis je me rappelle que c'était 32,05€.
Donc c'était assez rigolo ce petit jeu. Donc maintenant en effet c'est l'heure d'acheter les V-Bucks. Donc on va faire ça, les 6000 V-Bucks. Donc on va faire ça avec vous en vidéo. Et en fait alors on pensait acheter, parce que les garçons avaient vu des skins. Alors moi je ne comprends pas grand chose à Fortnite. Avaient vu des skins. Mais en fait Gabin, d'ailleurs merci Gabin parce qu'il nous a bien renseigné. Il nous a expliqué qu'en fait d'ici quelques jours ça allait être la nouvelle saison. Et du coup il valait mieux attendre la nouvelle saison pour acheter les skins. C'est ouais. Ça hein ouais. Donc merci Gabin. Voilà, on sent le pro hein. On voit bien que sur sa chaîne iGab il en fait des vidéos de Fortnite hein. Donc du coup voilà, on va acheter les V-Bucks. Mais on se retrouvera dans une prochaine vidéo, parce que du coup les garçons ont décidé de faire une vidéo spéciale Fortnite dans laquelle ils achèteront leurs skins. Voilà. Donc, et puis ça sera dans 4 jours les copains. Dans 4 jours 3. Bon je sais pas, on verra à la fin de la saison. Alors, avant d'acheter vos V-Bucks les garçons, vous n'aviez pas quelque chose à dire? Oui, oui. On a préparé des enveloppes pour les youtubeurs et les youtubeuses qu'on aime bien. Que vous avez choisi en effet. Et qu'est-ce que vous leur envoyez du coup? Bah nos cartes qu'on a fait au magasin. Et puis soit le coup qui me donne de la chance, tu vas peut-être faire de la caisse comme moi. Alors Tino du coup tu as choisi qui? Swan Cooking. Swan Cooking. Cody tu as choisi qui? Ciel Coop. Ciel Coop c'est qui? Papa surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ciel le papa. Voilà. Et Lenny tu as choisi qui? Gabin et Lily. Gabin et Lily. Et moi du coup j'ai choisi Noam Off. Donc on va envoyer toutes ces enveloppes chez eux. Et on verra ils réalisent l'émission ou pas. Après on sait pas hein, parce qu'on leur a pas demandé leur accord ni rien. On leur a pas parlé du tout. Donc on verra bien s'ils réalisent leur mission. C'est des peureux. Ceux qui veulent c'est pas des peureux. Donc voilà, on verra qui réalise ces missions ou pas. Allez leur mettre un petit commentaire ou un truc comme ça pour leur dire que voilà, on va leur envoyer ça, donc à eux de réaliser ces missions. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de commentaires, mais sur Instagram par exemple. Oui. Bon, alors du coup, bah, maintenant on achète les V-Bucks ? Ouais ! Alors, hop, c'est parti ! Voilà les copains, on a 6000 V-Bucks ! Et oui, ça y est, les garçons ont bien leurs 6000 V-Bucks. Voilà. Ouais. Donc du coup, bah alors on se retrouve bientôt pour une vidéo Fortnite alors. Ouais. C'est ça? Pour acheter tous vos skins, c'est ça? Oui. Ouais. À mercredi les copains. Je sais pas quel jour. Bah je sais pas exactement ce sera quand. Donc on verra ça, mais on se retrouve bientôt pour une vidéo Fortnite pour acheter les skins de la nouvelle saison. Et puis après on va faire une partie pour vous montrer. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Bon bah super. Alors les garçons, est-ce que cette vidéo vous a plu? Oui, 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 c'est la meilleure vidéo. Tout ça parce qu'il y a des V-Bucks quoi. Ouais. Bon super. Alors du coup on va pouvoir dire au revoir aux copains. Au revoir les copains. Surtout pour ce pouce bleu. Et surtout abonnez-vous. Et à bientôt pour les nouveaux skins que les garçons vont acheter. Oui. Allez gros bisous. Gros bisous.